La sœur Loretta nous dit aussi que sa petite sœur Mathilda, qui avait reçu le Saint-Esprit, s'est fait baptiser aujourd'hui en Suisse. En fait, ils ont eu 11 baptêmes du Saint-Esprit et 5 baptêmes d'eau. Elle dit que le service était puissant. Vraiment, et le pasteur Robinette avait amené 2 nouvelles robes pour le baptême par mention. Et à la fin, il a dit qui veut se faire baptiser. Et tu vois que c'est vraiment une nouvelle convertie qui a été. Tu vois vraiment qu'il y a. Regardez, je vais vous lire son témoignage. C'est vraiment très beau. Quand c'est des lèvres d'une nouvelle convertie. Et elle dit aujourd'hui, on a eu 11 baptêmes du Saint-Esprit et 5 baptêmes dans l'eau. En fait, 5 baptêmes dans l'eau. Les initiés vont dire 5 baptêmes d'eau. Mais elle dit 5 baptêmes dans l'eau. Parce que vraiment, il y a une différence dans l'eau et asperger. Elle voit cela. Amen. Alléluia. Il faut être dans l'eau pour faire le baptême. Et elle dit, la messe était vraiment puissante. Vraiment. C'est tellement bon. C'est frais. C'est frais. Tu aimes cette fraîcheur. Et dit la messe était vraiment puissante, vraiment. Et le pasteur Robinet avait amené 2 nouvelles robes pour le baptême par immersion. Et à la fin, il a dit, qui veut se faire baptiser? Et j'ai été la première à lever la main de façon genre spontanée. Et ensuite, il a fait une petite blague genre, ah, mais j'ai que 2 robes. Et vous êtes 9 à vouloir le baptême. Que le premier qui touche le pasteur Aka aura la robe. Il était juste derrière moi. Donc bon, voilà. Voilà quoi. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a touché d'une façon très particulière. J'étais vraiment dans un second état pendant la première, pendant la prière. Et donc, quelques temps après la fin de la messe, le pasteur m'a donné ma robe et tout, et tout. Pas de pensée. Ouf. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et nous avons eu également 2 baptêmes d'eau